voiture de qui, ça? C'est la voiture de monsieur et madame Duchesne. Beau bruit, hein? 450 chevaux. C'est de la glace, vraiment, hein, regarde. Ça, c'est gênant parce que le pare-brise, là, il est niqué, je crois. Qu'est-ce que vous mettez, là? De l'alcool. Ingrid, ça fait presque 20 ans qu'elle m'arrange tous mes problèmes. Elle est fidèle? Elle est très fidèle, oui. Elle est moins compliquée qu'une vraie femme. Vous avez du travail là peut-être? Non, parce qu'ici il y a toujours, on est à dû, il y a une dame qui vient tous les jours, 4 ou 5 heures. Donc vous êtes relax cet on après-midi? On est relax, oui. C'est pas pour la ville, à la limite, je préfère le Cayenne. Et elle a fini par adopter. Allez, je peux te rappeler, ouais. Voilà. Ouais. Il fallait. C'est mieux, hein? C'est moi. C'est important d'être à la mode. Important, je ne sais pas si c'est le mot, mais on aime bien suivre les tendances. On aime bien ce qui est beau, ça change. Je ne sais pas si le mot important est bien choisi, mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Sans être trop fashion victime, je dois changer tous les 6 mois de vêtements, de collections, ah oui. Voir. Depuis quelques années déjà, je remets des trucs plutôt genre techno-stretch. Tant que la ligne le permet, on se met du près du corps, et c'est plus actuel. Quoi. C'est branché quand même. Hein. Tu te mets en noir et puis avec ça dessus, là t'es sûr quand tu tombes, ça rentre pas. Ça vous plaît? Moi j'aime ça, ouais. J'aime les choses simples, j'aime déjà le blanc et le noir. Ça c'est une paire que vous avez déjà repérée? Ouais. Sur les pistes. Et je l'avais captée ici, il y a 3 jours, j'avais venue. Et en fait, elle m'amène après. Voilà, et puis après, bon voilà, le repérage. J'amène mon chéri. Il va encore prendre plus de temps pour s'habiller avec des gants pareils. Merci, mais vous me direz si les gants sont... Dans 2 jours, j'arrive pas à les mettre, je reviens. Merci, au revoir. Je photographie mon amoureux parce que j'ai un appareil photo avec... Il y a toujours des envies comme ça. Ah les bon femmes ont toujours des envies, chérie. Ça s'arrête jamais. Ça fait un petit phoque. Elle n'est pas un peu grande? Ouais, trop grande. Cache la tête, je sais pas trop. Combien elle valent? C'est 1200 euros. Il y a la tentation partout. Ouais, à Courchevel, beaucoup aussi. Énormément. Ouais, elles sont belles, elles sont superbes. C'est le talon super haut. Une de Cote Rail, donc il ponce super bien partout. C'est pour être assorti avec votre voiture, ça? Non, c'était pas spécialement ça. C'est celui qui me les a conseillés parce qu'en fait, c'est... Oh, c'est rapide. Je suis assez fanatique de ce qui est beau. Donc ça me fait peut-être mieux skier parce qu'ils sont beaux. Puis c'est chic. Ça m'a peut-être influencé parce que j'ai... Parce que c'est agréable et puis que c'est pas le double du prix. Ça coûte hein, combien une paire de ski Porsche? Ah ben, celui-ci coûte 911 euros. Voilà. Comme la 911. Vous savez, regarde celle-là avec tous les diams. Bonjour. Bonjour.
Malheureusement, non. Parce que ce sont des montres très, très difficiles à obtenir. Ouais. Donc, pour l'instant, on n'en a pas. Moins que celle-là. Ça coûte combien de montres comme ça? Voilà, au revoir, mesdames. Ça coûte une belle auto. Oui, tout à fait. Exactement. Mais ça prend moins de place. Ça, c'est mon mono, mais il n'a pas l'air d'un mono, là, normalement. Normalement, il est en rouge. C'est votre moniteur de ski, aussi? Oui, mon moniteur de ski. Il fait tout Didier. Il fait tout Didier. Double casquette. Enfin, un petit rock de camp, qui ne connaissent pas trop, mais que nous, on aime. Deux belles cuvées qui sont celle-ci et celle-ci. Non, mais je crois que tu voulais un peu de foie gras, chérie, de caviar. Elle aime le caviar. Moi, je déteste tout ça. Moi, j'aime les trucs de pauvre. Remarque que c'est bien hein, qu'elle aime le truc, le luxe et moi les trucs simples, parce que sinon, on serait fauché. Hein. Vous n'aimez pas le caviar ou... Non. J'adore. J'aime pas le caviar. En fait, moi, j'aime pas les choses trop compliquées. Moi, j'adore tout ce qui est sushi, caviar et tout. Lui, non, moins fervent de ça. Alors, 658, s'il te plaît. 658, et ben voilà. 500. 700. 700, parfait. Voilà. Alors, 60... Vous me faites découvrir beaucoup de choses. Ah oui. Tout, la vie. C'est comique. Je rigole. Tout. J'apprends beaucoup. Déjà, bon, on a une petite différence d'âge, donc gentil. Donc, non, je suis gentille. Donc, c'est clair que j'apprends énormément dans tous les domaines, tout. C'est-à-dire, tout, aussi bien de par son métier, j'apprends énormément parce que j'écoute parler business et je m'intéresse et tout. Moi, j'ai aussi une agence de mannequins, donc indirectement, je collabore avec lui. Et à côté de ça, le ski, il fait découvrir le golf là aussi. J'apprends tout là. J'ai un petit peu. Le bateau. Non, mais ça va. Il y a qu'un truc que je n'ai pas fait découvrir, c'est l'amour. Ça il connaissait déjà. C'est ma... Non, mais fais pas ça parce que. Qu'est-ce que vous faites là, Magloire? Ah, je m'emmerde! Voilà. Sympa, Courchevel? J'adore la station, mais je me fais ici à faire du ski. Je fais bêtement la bêtise de faire du ski une fois par an. Et voilà, ça donne ça. L'année dernière, je dis beaucoup mieux. Tu veux essayer le surf? Ce n'est pas désagréable. Extrêmement mal, je souffre le martyr, mais tout va bien. Souffrir dans un cadre comme celui-là, on veut bien souffrir encore. Allez, la photo de famille générale, et bien ensuite. Très très mal aux pieds. Ouais, et l'autre aussi. En fait, on me l'a dit ce matin, les chaussures sont trop petites, mais je voulais celles-ci parce qu'elles sont magnifiques. C'est tout ouvert là. C'est super, je vais les enlever. C'est plus d'investigation, c'est plus. L'espionnage. Ça va? Bien. Vous préparez une liste des suites qui arrivent aujourd'hui. Vous faites une petite liste que j'irai vérifier tout à l'heure. Hein? D'accord? Voilà. Good to see you. Yes. See you.
Ça demande une grande attention du matin au réveil jusqu'au soir. Quel type d'exigence par exemple? Ça va d'un menu spécial, trouver un hélicoptère, trouver une voiture de grand luxe dans l'après-midi. Ça va trouver, falloir chercher 3 moniteurs pour les enfants. Enfin, une quantité de choses qui fait qu'il faut être là, à l'écoute et puis à anticiper leurs demandes. Bon. Alors, donc l'accueil VIP, on le fait cet après-midi. Oui. Pour l'arrivée, on met bien la bouteille de champagne, la petite champagne. Assiette de milliardise. Oui. Ça va, oui, ouais. Toute la demande qui était faite. On n'a pas le droit à l'erreur. Le client doit être satisfait à 100%. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Que ça soit du cheveu, que ça soit un lit froissé, que ça soit une fenêtre, peut-être le rideau mal agencé ou un petit peu sale, on n'a droit à aucune erreur. Il y a un peu de poussière, Cindy, sur la télé. Bon, là, on mettra un coup de chiffon avant la... Oui, mais ça, c'est au dernier. D'accord. Non, la température est bonne, mais il faudrait qu'on rajoute un radiateur, tu vois. Okay, c'est trop fraîche, ouais. On sort du spa, là, il fait un peu frais. Hein. Bon, ça, on le mettra en route également cet après-midi, hein, voir si ça tourne. Le hammam également. Ouais, quel est le client que vous avez vu réserver le plus de chambres et combien de chambres? M6. Le roi du Maroc? Une cinquantaine de chambres. 50 chambres. Une cinquantaine de chambres, oui. C'est-à-dire qu'on est allé, bien sûr, sur plusieurs hôtels. On a eu une dizaine de chambres. Il vous réserve une dizaine de chambres, là? Tout à fait, oui. C'est une grande famille, beaucoup de frères et sœurs, deux cousins, voilà, ça va vite, hein, 50 chambres, c'est vite là. Hein. Ah, ouais. Tourner une boîte de nuit. Oui. Voilà. Ah bon? Merci. Bon, alors ça c'est de la part d'un... La Grange, qui est un restaurant oriental. En face, là? En face. Le mobilier, les murs, les patines, les luminaires, tout ça, on a fait ça en 2 mois. On a tout cassé, on a tout refait. Je demande absolument qu'on finisse ça, qu'elle soit nickel cette boîte. L'année dernière, donc, on a fait une saison très très difficile, donc on a déjà un passif à récupérer. Plus, là, on a investi à peu près 1 000 000 francs dans cette nouvelle déco. Entre les assiettes, les cuisines, l'ensemble, oui. L'ensemble de ce que vous voyez là nous a coûté à peu près cette somme. Moi, l'eau au chocolat rajouté, nougat glacé. Mais là, on a fait exprès de ne pas le mettre, le nougat glacé. Pour une question de place. Pourquoi? Pas de place. Si on arrive déjà à équilibrer les comptes cette année, chose qui n'était pas pour l'année précédente, et si Olivier arrive à se sortir un salaire,
pour moi, on aura déjà gagné un grand, grand pari sur cette affaire parce que je pense sincèrement que ça peut fonctionner. Et après, il est clair qu'Olivier n'aura pas fait son travail parce qu'il y a un énorme travail de relations publiques au sein de cet établissement. Ça veut dire qu'il n'aura pas fait son boulot et que donc il sera mauvais. Flexion, portée du bâton, extension. Monsieur Nus, ce qui ne va pas, c'est portée du bâton. Bon, tout le monde est là. On va aller voir ce qui se passe. Hein? Ils sont venus. Messieurs, hey, comment ça va? On s'est aperçu, ça va? Tout va bien? Bonjour. Très bien. Bon appétit. Bien sûr. 23h, 23h30. On fait comme ça. Très bien. Ouais, t'as pas vu hier? Je termine. Une fête énorme. Ah bon. Ce soir, on y va. C'est la fête tous les soirs, de toute façon. Non, non, mais là, ça a pu aller. Moi, je suis rentré à 7h ce matin, 10h, j'étais sur le ski. Je t'expliquerai. Faut déjà arrêter de fumer. Ça, tu le fais. On le sait. Et Ophélie Winter, vous la connaissez bien? Non, du tout. Ouais, vous lui parlez comme si vous la connaissiez. C'est le rock'n'roll. Rock'n'roll est pas mort. Ça devient un peu des amis, ces people, à force de les côtoyer en boîte hein. Des amis, c'est un bien grand mot. Hein. Il y a amis et connaissances. C'est plutôt les connaissances. Ils sont durs à approcher. Mais une fois qu'on fait la fête, ça va beaucoup mieux. Et la nuit, tous les chats sont gris. Ça quand même aussi pour les papiers. Oh la Nora, j'en ai pas besoin. Pas de neige. Sur la route, est-ce qu'il y en aura sur les pistes? C'est la surprise. Bon, mais on verra. Hein. On va aller voir s'il en est quand même attendu. Vous êtes 4 personnes. C'est ça. 2 adultes et 2 jeunes filles. 2 adultes. D'accord. Donc vous êtes là. Vous allez bien nous garder. Hein. Je vous remets. J'espère. De toute façon, on s'incrustera. Vous avez 2 chambres. D'accord. Première porte. Donc là, vous avez la chambre enfant, avec une superbe vue sur la montagne. Ça vous convient? Ben oui, c'est parfait, oui. C'est calme, c'est parfait. Le calme surtout, oui. Ça, c'est important pour des vacances, pour du repos. Alors là, ce sont donc les lits. Ah oui, parce que je crois que je vais aller dormir assis, mais non. On va peut-être arriver à s'allonger. Pas de soulever un peu. Attendez, oui, il y a tout un système. Voilà. Voilà. Hop. Ouh là là. Voilà, vous tirez les 2 lits et vous faites un lit couple. Voilà. Et ça vous fait un lit pour une chambre de 3. Non, mais on n'a pas l'intention de faire un peu. C'est la semaine de repos. Oh, ben, qu'est-ce que j'ai fait de la clé? Voilà, ça y est. Ça commence bien. J'ai perdu la clé du coffre. Non, là voilà. Ah, ça. Voilà. Allez, on va peut-être y arriver. Hop. Il n'est pas gelé, quand même pas, non. C'est pratique ça pour transporter les skis? Ah oui, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon ça serait pas possible. Surtout quand on a un petit peu trop de bazar. Parce que les jeunes, il faut des skis longs, il faut des skis courts. Et puis papa, il dit. C'est pas dire non des fois alors. C'est pas bon ça.
Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Où est-ce que vous allez ranger tout ça, là? Mais vous allez voir, tout vient bien. On est très organisés. Donc déjà, les couvertures vont disparaître, elles vont arriver sur les lits. Donc ça nous laisse de la place. Il y a encore de la place au-dessus, là, les oreillers, ben, on va les utiliser. Il y a tous ces petits rangements. Tout va rentrer, oui, puisqu'il ne rentre pas. Ça reste dans le bagage au cas où on en aurait besoin. Mais dans l'ensemble, tout rentre. Attends, les grands d'abord, les grands. Puis on va tasser les petits par dessus, si on peut. Ça. Eh ben voilà, ça. Alors, c'est ça. Super. Ça arrivera d'autres fois. Avec l'habitude, on va y arriver. C'est rodé, attention, hein, c'est rodé là. Parce que, bon, mais oui, là, il reste. Comment vous avez trouvé là ce rangement là? Ben, ça va pour deux personnes, mais quatre, c'est un peu juste. Hein. Mais le système de mettre les chaussures comme ça... C'est super, oui, parce que bon, quand on revient du ski, les chaussures sont plus ou moins humides, on a transpiré un peu, donc le lendemain, vous reprenez les chaussures qui sont aérées. Il manque juste la robe chauffante au milieu, là, ça serait l'idéal. Mais... Bon, ben, on demandera ça pour l'année prochaine, hein. Peut-être on aura cette chance-là. Ça y est, on va peut-être... Allez, ça y est, ce coup-ci, je crois que c'est bon. Je désespère pas. C'est parti. Une place, l'autre côté. C'est comme à Paris, en fait. Vous trouvez une place pour se garer, vous êtes en vacances, c'est ça, non? Oui, c'est ça, mais... C'est-à-dire? Parce que là, si vous la trouvez, la voiture, il faut qu'elle reste là toute la semaine, donc il vaut mieux qu'elle soit bien garée, parce que si tombe la neige, le sèche-neige, il va passer, il risque de vous l'accrocher, et alors c'est pour vous, hein, il vous le signale assez. Bien se garer, sinon... C'est pour vous. Mais là, ça y est, ce coup-ci, j'ai trouvé une bonne place. Et ben là, voilà. Et ben la voiture, elle est en vacances aussi pour une semaine. Allez, au revoir Titine, passez une bonne semaine. Je reviendrai te voir dans 8 jours. Ça ira. On s'en fait pas là déjà. Là. T'as vu ton petit vin chaud? Tes voilà. Petites vitamines avant d'attaquer la semaine? Eh ben, sortez. À la vôtre, et puis bon, ben. Bon séjour. À la fin des vacances pour ceux qui partent, et puis au début pour ceux. Ça va réchauffer, hein. Non, mais par rapport aux gens qu'on connaissait, c'est demain. On se voit qu'une fois par an ici, on se connaît sans se connaître, mais bon, on a le plaisir à se rencontrer. C'est déjà quelque chose de très important. Ça fait partie des vacances, tout ça. On n'est pas des anonymes, mais ça compte beaucoup. Le Courchevel, c'est pas vraiment l'image de la station familiale. Pas du tout, non, c'est pas du tout. Mais bon, ça dépend où on va à Courchevel. Et pour nous, Courchevel 1500, c'est parfait pour le style de vacances qu'on recherche. Après, il y en a pour tous les goûts, il en faut. Il faut absolument qu'il y en ait pour tous les goûts, pour tout le monde. C'est au moins 15, je suis déjà réveillée, quoi. Ah bon? Oui. Pourquoi? Je sais pas, on dirait qu'ici, à la montagne, on s'est réveillé plus tôt, hein. Voilà. Et aussi, demain, son pantalon. Et le 15 heures en cachemire noir. Oui, le plié dans le... Dans son dans l'armoire. Et le pantalon. Et gris. Ouais. C'est la fin de l'armoire. Et l'autre, il est plié dans l'armoire. Si, il est l'armoire d'ailleurs. Merci, Ta. On cherchait à propos d'un gilet de monsieur. Et elle ne le trouve pas? Non. Mais bon, comme ils sont tellement de vêtements, alors c'est difficile parfois de trouver ce qu'on cherche, quoi. J'étais dans des endroits avec eux que normalement, je n'aurais pas l'opportunité d'aller. Par exemple, on a été à Ligouris, on a été en Corse, on a été en Floride, on a venu ici à Courchevel plusieurs années. Et t'as, je peux avoir un petit thé, s'il te plaît? C'est une chance alors pour vous de... Ah oui, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir connu la famille Duchesne. Et c'est vrai que depuis tant des années, on s'attache à eux. Ça fait partie de ma famille, quoi. Et le petit aussi, c'est comme mes petits enfants. Voilà. L'autre, ma fille.
moi je fais le petit. Tu le fais? C'est pratique d'avoir quelqu'un pour s'occuper des enfants. Ah bah plutôt, hein. Sinon on le faisait nous-mêmes. Hein. On le fait encore, d'ailleurs. Marie, Thomas. Non, non. Et des monos pour s'occuper de ta femme aussi. Tu le fais tout seul, dans les draps? Oui. Ça chauffe les chaussures de ski. C'est pratique. Très agréable. D'une part, la nuit, ça chauffe. Et puis des fois, quand on rentre déjeuner, on les remet. Et puis on repart avec les pieds bien chauds. Là, ça, dans tous les hôtels, ce qui est bien, c'est qu'il est dans le chalet, quoi. Enfin, dans tous les bons hôtels, du moins. Mais c'est une bonne invention. C'est plus facile de mettre ses chaussures de golf, quand même. Hein. Laisse ça l'habitude. Surtout qu'ils te règlent bien les chaussures. Ils ont fait quand même des combinaisons superbes. Hein. Ils ont fait, regarde, chérie, ils ont mis des plaquettes spéciales pour, si jamais t'es dans une avalanche, ils te retrouvent avec ça. Qu'est-ce que c'est? Un petit émetteur? Un émetteur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, là? J'attends mon mono, il va arriver, il est parti descendre les enfants là, jusqu'à l'école en bas. Et il va pas tarder, il doit être en train de remonter et emporter mes skis jusqu'à là-bas. C'est nous. C'est une fainéante, c'est tout. Fainéante. Mais c'est évident, regarde, c'est une gonzelle. Hein. T'as vu un petit peu ça? C'est pas beau, regarde. Ah, c'est ça, hein, service. C'est la drague. Ah, elle se défend bien quand même, regarde, une bonne position. Elle a progressé un peu. Vous faites pas la queue là? Non, on va directement par le passage réservé aux monos à l'école de ski. Étant donné qu'on a accompagné deux monos, on a priorité davantage. Pour skier, tu n'as pas 36 solutions. Si tu as la chance de pouvoir avoir un mono, ça change beaucoup la vie. Des fois, je pars tout seul avec lui parce qu'on s'éclate, mais j'aime aussi bien voir ses progrès et même attendre en bas, participer. Et je trouve que j'attends de moins en moins. Mais le but du jeu, c'est qu'un jour, on puisse aller partout au même rythme ensemble. Et puis voilà. Surtout que comme je vais vieillir, j'irai moins vite. Et que toi, tu iras de plus en plus vite. On va se retrouver. Non, on va se retrouver. Vous attendrez Nina, alors, à ce moment-là? Oui, je l'attends. Ah, c'est pas sûr. Hein. Ils disent ça, tu vois, mais... Allez, mon bébé, ça c'est quoi ça? Allez, mon Titou! Allez, mon bébé, tu y vas, 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 c'est le tien! Hein, c'est réussi là? Ouais, ouais, c'est réussi. Bon, c'était facile, hein. C'était facile, je le savais, mais il faut vraiment s'investir dans la récompense pour que le chien soit en confiance et qu'il continue à bosser. Là, la récompense, c'est un boudin, c'est un jouet qu'a la victime avec lui. Et donc là, il garde le chien pour jouer avec lui, pour lui faire comprendre qu'il est content qu'il soit venu le chercher, quoi. Oui, c'est beau, ça. Ça, c'est du beau travail. Ça, c'est du beau boulot, ça. C'est bon, tu peux lui abandonner. C'est bien, ça, mon petit loup. Ça, c'est beau, ça. C'est bien, Pépère. De toute façon, nous on a un hélico qui va partir. Hein. Bon, ben c'est parfait. Ben, écoutez, je préviens la brigade de Bourg-Saint-Maurice et je vous laisse appeler les pompiers par contre. Hein. Il y a une intervention sur Tignes, là. Ouais, un gamin qui a tapé une cheminette.
Il faut voir sur place. Donc il faut un gendarme puisque c'est une collision. Et le médecin, parce qu'a priori ce serait une fracture de jambe. Qu'est-ce qui se serait passé, Gilbert, alors? A priori, l'enfant descendait à ski. Il est passé devant la machine qui était en train de damer. Et il est passé sur le bord gauche alors que la machine était en bord droit. Il aurait perdu le contrôle de ses skis, a glissé, puis est venu taper la machine après s'être fait mal, en fait. Après avoir chuté. Il a un peu mal au talon. Pas mal, là. Beaucoup mal, non? La jambe a été déformée ou pas? Non, non, justement. Il ne s'est pas cassé non. Tout. Non, il est calme, d'accord? Comme ça, quand tu vas arriver à l'hôpital, on pourra te déshabiller, tu auras pas mal. Ça va bien? On va te mettre encore un petit truc quand même, hein? Ok? Je te dis, hein, quand je pique. D'accord? Hein? Allez. Je suis très con, mais bon. Là, le médecin repartira sur l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice avec le pilote. Le jeune homme et puis son tonton qui veut faire partie du voyage. Hein. Pour pas que l'enfant soit tout seul, c'est bien. Oh oui, absolument, venez. Merci beaucoup. Venez. Je vous accompagne. Merci. Il y a une affiche de Courchevel d'il y a très longtemps, c'est la Croisette. De 1950, c'est les toutes premières constructions. C'était Courchevel sans beaucoup de monde, quoi. Voilà, tout à fait, à l'époque. 1850. Il aurait fallu investir. Il aurait fallu investir, Yvette, oui. Certains diront que c'est un snobisme, parce qu'il y en a ceux qui vont pourraient poser cette question. Le fait d'avoir des monos à table, est-ce que ça fait bien, ou bien on est en mieux c'est. Je pense que ça fait un peu bizarre de dire, bon, à tout à l'heure, aller déjeuner, midi à deux. C'est pareil avec les skippers, l'été, en bateau. Hein. Ouais. Quand on part, on va à droite, à gauche, ils déjeunent avec nous. Je vais choisir le vin, en sachant un petit peu ce qu'il aime quand même, parce que... Moi, j'aime beaucoup le vin, le bon vin. Je suis en train de regarder. Premier choix, deuxième choix. Peut-être la Gaffelière 95. C'est la Gaffelière 95. Ouais, c'est un cru, mais ce serait pas des prix de folie. Comme on a vu sur certaines terrasses, les gens achetaient des bouteilles à 1000 euros le midi. Quoi. C'est ce qu'on a vu. Ça, c'est des bouteilles, combien? Bien vu, mais ça va coûter 100 euros. C'est peut-être un petit peu plus. Ouais, ouais. Hein? C'est moi qui choisis, je ne dis pas. Je crois qu'on va remettre une bouteille, non? Oui. Pas de souci. Ça va être le faire, j'ai pas de problème. On va remettre une bouteille, parce que on vient de commencer juste le repas, je pense que... Elle est déjà vide. Elle est déjà vide. Je fasse attention avec le vin. Ça va vite. Dégustation, on va passer. Ah ben ça, c'est comme ça. J'ai une grande qualité, c'est que je regarde jamais les additions. Jamais. Jamais. Moi, je les regarde, pour lui. Non, je regarde pas les additions. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça, parce que j'ai jamais fait ça. On connaît de toute façon un peu les prix quand on rentre dans un endroit et qu'on prend des grands clous bordés, on sait pas vraiment ce que ça coûte.
Alors si ça coûte 150, 220 ou 310 euros, ça change rien. Moi je regarde pour lui et puis pour après lui dire, ah, mais tu sais, chérie. Mais il s'en fout, en fait, c'est vrai qu'il n'a jamais regardé les prix. Déjà attendre pour le plus mauvais moment des vacances. Parce qu'il faut acheter le forfait et le forfait, il va faire exploser la carte, hein, la carte bleue. Mais non, bon, on aura vite oublié, hein, c'est une question de 5 minutes sur une semaine. Après. T'as les photos, oui? Parce que sinon, si, encore une heure de perdu pour aller faire des photos. Et le temps est compté pendant les vacances, hein, voilà. Beaucoup plus qu'au travail. Bon, bah alors, forfait famille, pareil, 7 jours, 4. Eh, me coupe la tête là, voilà. Ah, une coupe gratuite. Bon, non mais j'étais coiffeur avant de venir. Si on perd les forfaits, c'est pour nous. Ah, parce que vous voulez mon numéro de téléphone déjà. Ah là là, bon, là c'est pas possible. Ça fait 100 euros, s'il vous plaît. Évidemment, ça fait un trou au budget, mais on l'avait prévu. Il vaut mieux. Là, c'est la grosse charge, presque, pas autant que le séjour, mais ça coûte la moitié du prix du séjour déjà, que les forfaits. Rien que le forfait. Oui, c'est quand même assez onéreux. Hein. Celui qui le perd, il reste à la chambre toute la semaine après. Hein. Soyez dong. Ah, monte dans le nez. Mais non, on commence pas. Et voilà, je suis décoré. Ah, voilà Michel et François. Regarde, qui c'est qui là-bas? Je savais bien qu'ils étaient là. Ah, ils sont quand même là. Ben, on désespérait, là, ce coup-ci. Allez, ça y est, on a perdu Michel. Salut. Mais non. Bonne route. On peut pas la perdre, Michel, c'est pas possible. Bon. Je marche au flair, maintenant, je marche plus au plan. Non, bon, bah, bon, je crois, on va aller tout droit. Hein. Et on pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas. Le stencil anti-brouillard. Ah, avec ça, on peut pas se perdre. Hein. On peut pas se perdre. Hein. Mais non, mais là, c'est une question de survie. Et oh, si on n'a pas ça, ben, on se perd. Hein. Un coup de sifflet, c'est le signal de ralliement. Hop, c'est parti. Tout juste. Hop, ça glisse tout seul, là. C'est du billard. Ça part dans tous les sens. And so she fell on her back. My finger's cold. Prêt pour lever? Lever. Et on va la mettre au sol le plus vite possible. J'étais aide comptable en entreprise pendant 7 ans. J'étais pas fait pour être enfermée. Quand je travaillais là au bureau, le soir, je prenais vite le vélo, il fallait que je prenne l'air. Jack, it's okay? Super! Pour moi, travailler en extérieur, c'est une chance. On dit souvent qu'il y a un peu trop d'argent, qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être pour ça qu'on y est bien, nous. C'est vrai que grâce à ça, on a quand même pas mal de moyens sur nos pistes, les pistes sont... Mais oui, effectivement, je pense que on sait pas tout. Il y a certains trucs, ça doit être assez hallucinant, quoi. C'est ça. Après, un petit peu les tarifs pratiqués. Tout au moins inabordable pour nous. Ben, ouais, c'est ça, une boîte, c'est ça, réserver une table et t'as 10 000 euros.
la soirée. Donc voilà, ça laisse rêveur. Un maillot de bain, s'il vous plaît, pour madame. Oui, tout à fait. En une pièce ou en deux pièces, madame? Une pièce, oui. Oui. Ceci. Mais je crois qu'il me faut une taille plus grande. Une taille plus grande. Oui, mais sans ceci bien. Est un... Ceci est un 40, je vous donne un petit peu plus grand. Oui, 40. D'accord. Oui. Parce que c'est très extensible. Hein. Oui, en noir, tout, vous n'avez j'ai pas... qu'une couleur, madame. Après, c'est en deux pièces, comme je vous ai montré. Non, je préfère une d'accord. Pièce. Un 42, alors? Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais je vais acheter un maillot parce que je n'avais pas pensé de venir nager. Mais une fois que je suis là, que je vois que la piscine est extraordinaire, alors je vais aller dans l'eau et voilà, je prends un maillot. Et vous faites souvent des cadeaux comme ça? Oui, très souvent. Ça peut être des vêtements, ça peut être des bijoux et des sacs. Mon cheval, c'est grand standing de par les palaces, de par les super restos, de par les gens. Je dirais pas monsieur tout le monde est à Courchevel, parce que Courchevel, c'est quand même des prix assez élevés, donc tout le monde peut pas se permettre. Du coup, il y a vraiment une certaine catégorie de personnes bien spécifiques qui vient ici et qui profitent de tout ça. J'aime le beau, j'aime me faire dorloter, j'aime qu'on me serre. J'aime bien, je pense que je suis pas la seule. On va aller à l'ANA, se bourrer la gueule. Je vais vous apprendre une chose à Courchevel. Les pistes ne s'appellent pas piste noire, piste verte. Les pistes ont des noms de vedettes. Par exemple, il y a la Rocco Siffredi. Piste très raide, très difficile. Vous êtes plus à l'aise sur quelle piste? Sur la Mousse Diouf, la piste noire. De temps en temps, je m'arrête au Eddie Barclay, un petit restaurant d'altitude avec poutre apparente. La cheminée marche encore. Ça fait partie des avantages de la célébrité, ce que... On est beaucoup invités. Parce qu'ils savent que ça fera des photos, qu'on parlera de l'événement. Et comme on parle du Festival de Cannes, en ville, c'est les femmes en or, à Courchevel. Et donc, quand il y a des gens un petit peu connus, c'est sûr que c'est ça qui amène les photos. Bonjour, mademoiselle. Ah merde, j'ai pas pris d'argent, vous avez... Ça, ah, ça c'est un des trucs. Je suis un autre hôtel, quand on pense plus à prendre de l'argent. Ah, et, à force d'être invité. À force d'être invité, on pense... Sauf que là, je ne suis pas à cet hôtel-là, donc... Oh, pas cet hôtel-là, par contre, ça, je le prends. Et donc, on est pas habitué à... Est-ce que je peux avoir un express? Comment vous appelez-vous, jeune demoiselle? Julie. J'ai connu une Julie. Ouais, en vacances. On marchait sur la plage. Bras dessus, bras dessous, on marchait, puis... Puis à la fin, bah... On repartait dans l'autre sens. Je te passe un bisou. Ouais, je t'embrasse aussi. Ouais. Et pourtant, on est dans le Normandie. Il y a Karine Viard. Pardon. Non, mais t'en vas pas, arrête. C'est agréable d'être ici à Courchevel. Non, parce que les gens sont désagréables. On est dans des hôtels pourris. On mange pas, on boit pas. Les gens se parlent pas, on fait pas la fête. Donc c'est un peu dur, mais c'est un mauvais moment à passer. J'essaierai de pas revenir l'année prochaine. Nous allons tourner un film ensemble, les deux. Moi, je fais un chambellan, Magloire fera un eunuque. Quick. Et Sophie, vous faites quoi, vous?
Moi, je fais tout. Je fais la cuisine, le ménage. Je couperai le ruban. On a dit qu'on ne disait rien. On reste très discret. Moi, je materne les comédiens parce que, vous savez, ils sont des artistes. Ils sont écorchés vifs. Ils ont besoin de soutien, donc je les masse le soir après. Écorchés vifs par des ongles parfois trop pas serrés. Bienvenue à la table des régions. Votre table des régions. On s'est dit, voilà, il y a tellement de vacanciers qui viennent de tellement de régions différentes. Il faudrait briser la glace pour créer cette convivialité qu'on aime bien retrouver dans nos villages vacances renouveau. C'est vous qui allez venir nous parler dans le micro. Eh oui, c'est comme ça. Allez, ça y est, ça commence. Vas-y, je voulais pas venir. On serait mieux au lit. Et on va commencer par une région. Ah, une région où il fait bon vivre, paraît-il. C'est sûr. La région Nord. Bonsoir Carmen, comment t'appelles-tu ? Carmen. J'ai amené des gâteaux brésiliens qui s'appellent Brigadeiro. C'est fait avec du lait concentré et une petite cuillère de rhum. Une cuillère de beurre. Oh. Du chocolat. À présent, c'est Alain qui poursuit cette table des régions. Bonsoir. Oh, vous avez la forme là. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Yvan. Bonsoir Yvan ! J'ai ramené du vin, du vin cher. Du cher. T'as pas mis un vin cher, t'as des... Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Christian. Bonsoir Christian ! À 1850, on m'étonnerait que tout le monde se mélange aussi facilement qu'ici. Oh, le groupe est chaud là-bas. Quand t'es là-haut, attends, c'est... Peut-être monsieur machin, madame X. Ouais, je pense que effectivement, l'argent, c'est quand même une barrière dans les relations, quelquefois. Quel est ton prénom pour commencer ? Je m'appelle Corinne. Bonsoir, Corinne ! Si les gens vont en vacances dans ces grands hôtels, c'est certainement pas pour côtoyer des personnes. Non, c'est pas notre style. Restons dans le style de notre porte-monnaie. Ouais, c'est tout, surtout c'est ça. C'est pas le style de notre porte-monnaie. Ça va être enfin le moment de la dégustation. Et puis surtout, ça va être le moment où demain, dans les couloirs, il n'y aura pas bonjour monsieur, bonjour madame, il y aura bonjour Alain, bonjour Michel. C'est ce qu'on leur recherche, qu'entre nous tous, on instaure d'ores et déjà une convivialité. Ah bah, s'approcher du saucisson de cheval. Je crois que j'en ai déjà goûté. Ah, c'est un goût spécial quand même, hein. C'est vraiment un goût spécial, hein. C'est... Quel goût de l'eau. Un peu. Oh là. Tiens, je crois que... J'ai pas fait esprit, hein. Juste, ne serait-ce que... C'est... Oui, un monsieur, une dame, en plus stricte tenue, juste avec la feuille de vigne devant l'endroit... insolite, si je peux dire. Et puis, oui, monsieur qui essaye de convaincre madame pour de boire, de goûter la bière. Mais là, ça y est, je suis convaincu, je la goûte. Tant pis, je résiste plus, je vais. J'ai retrouvé mon élément, allez, c'est allez, un allez. Peu de musique, on me retient plus. On peut les encourager, allez les filles, vous êtes vraiment des super. C'est pas ma spécialité de danse, c'est pas le rock quand même. La valse plutôt, je fais partie d'un groupe folklorique, et labourer, c'est labourer, tourner, c'est la valse. Et en général, tous les Auvergnats savent très bien danser la valse. Mais bon, ce soir, c'était plutôt le rock pur. Oh là là, regardez là-bas comme elles sont belles.
avec l'embarras du choix. Voilà, bon, bon je peux venir avec toi demain comme ça. Il y a ma femme qui est en train de danser là, mais je sais pas, je la reconnais plus là. Ça y est, je me reconnais même pas moi-même, hein. C'est vrai. Hein. Ça vous fait quoi de la voir ? Ah, c'est une grande star, Ophélie Winter, c'est vraiment une grande star. C'est une chanteuse extra. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Ça se passe bien ? Oui, très bien. C'était qui ? Patrick Sébastien. C'était pas Patrick Sabatier ? Ah, Sébastien. Bon alors, il me dit Sébastien. Et c'est une star, Patrick Sabatier ? Il est moins connu. Même s'il fait froid dehors, ça réchauffe le cœur de pouvoir voir des stars comme ça. La bise, s'il vous plaît. Je vais vous faire la bise. Elle, vous pouvez les laisser là, c'est bon. Oh, vous êtes une acbalsa. Tonia, je crois que c'est la mieux de toute Ma gloire, vous. Vous êtes remis de votre descente en ski ? Oh bah évidemment, on s'est vu depuis. Oui, je suis remis, je me suis reposé. Je vais vous et allez, un bisou, voilà, c'est bon. Allez, un autre bisou. Et vous portez des visons ? Je porte pas de vison, je porte du renard gris, mais je communique pas là-dessus. Je pense. Je vois les voitures arriver, donc ça rentre. Vous pensez qu'il y a des people ? Je sais pas. Je vais aller voir, hein. Je suis comme vous, hein. J'ai rien vu. Il y a quoi ? Ils arrivent ? Oui. Je sens le gros bordel ce soir. Ça va être une tuerie. Pourquoi ? Bah, vu les vestiaires qui commencent à rentrer, ça va être une tuerie. Toi, fais-moi confiance. Attends avant de taper, hein. Et dès que c'est plein, t'envoies grave, vraiment ça prend mon bête sur moi. Voilà. T'as évité de mettre trop fort ce soir. C'est bien sûr que c'est important. S'ils viennent pas, s'ils viennent à 10, ça n'a plus rien de festif. Déjà pour eux et pour moi, parce que c'est quand même une organisation. C'est beaucoup de services, c'est beaucoup de mise en place. On est obligé d'avoir la qualité de ces gens-là méritent. Ça, on peut pas le savoir tout de suite. Dans l'impact, il est sûr que les clients habituels qui sont autour vont voir des personnes qu'ils ont l'habitude de voir à télé, au cinéma, dans le sport au niveau. Ça leur fait toujours plaisir. C'est pas pour ça qu'ils reviendront demain, les clients. Mais ils viendront en se disant, on peut les revoir. Il y en a qui vont au boulot, les mains dans les poches, moi je vais au ski, les mains dans les poches.
Ouais, non, c'est... Oh, aïe, 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 oh, là, attention. Je vais vous faire voir le chalet que j'ai acheté hier. J'ai négocié, oui, avec un gars, j'ai eu pour un bon prix. Je vous dis pas combien. Mais vous allez voir, il est beau, il est pas grand, mais il est super bon, il me plaît bien. Une petite visite alors, une petite visite sérieuse. Je vous inviterai à prendre l'apéro. Ah, bah alors l'apéro, vraiment super. Bon, vas-y, regardez les extérieurs. C'est le chalet de M. Mansour, c'est un émir qui est patron de la Formule 1. Donc, il est ici, ils y sont souvent, il y a de la lumière, en ce moment, ils y sont. Alors, ils ont des enfants, et le petit chalet que vous voyez là-bas au fond, c'est le chalet du gardien. Ah oui. Gardien, quand même. Gardien là, ça gardien serait bien. Ici, ça pourrait aller. Ça serait super bien. Il y a 1850, les gens se cachent, la preuve, c'est très feutré, c'est très calme, il n'y a pas d'excentricité nulle part. C'est beaucoup plus contact avec les autres vacanciers. Ici, vous voyez, il n'y a personne, c'est désert, c'est chacun pour soi. Dans des grands chalets comme ça, si vous avez une grande famille, beaucoup d'amis avec vous, sûrement, cela doit être agréable. Mais si vous êtes tout seul dans votre chalet, ça doit être triste hein, quand même. Hein. Non, non, c'est pas fait pour moi. Non, non, pour faire quelque chose de plus familial, convivial. On va prendre un petit coup de bâton pendant qu'on est là. Un petit coup de bâton, qu'est-ce que c'est ça, un petit coup de bâton là? Qui veut un coup de bâton? Oh là, il y a Fernand qui est en train de faire des propositions. Alors, il y a du thé des Alpes dans un et du genépi dans l'autre. Tu préfères thé des Alpes? Oui, thé des Alpes. Pour, attends. C'est du thé ou c'est de la... C'est vrai? Non. Ben oui, va. Et tu... Non, c'est... Oui, mais je t'assure, allez. Ah, oui, alors fais gaffe de... C'est vrai que... bien le bâton pour pas en mettre sur ta belle tenue, là. Quand tu as fini. C'est une plante qui est macérée comme le génétique. Je goûte, j'ai des gustes, là. C'est un collègue à moi. Il fait froid, il faut mettre un peu d'antigène parce que quand même, il fait froid. Ah, il y a le même bruit qu'une bouteille. Hein. Il y a toujours le... Alors attention, là, c'est un connaisseur. Hein. C'est du genépi. C'est genépi. C'est du genépi. Il est bon. Il est bon. Là, celui-ci, il est bon. Hein. Les mélanges, là. Hein. Il y a des fois... Plus, ça y est, ça y est. Oh là là. Ah, t'es décoré. Il a vu son bâton comme les autres. T'as du grand. Ça sera la cassette. Attention, hein, j'ai des fesses fragiles. Hein. Hein. Attention, voilà, je sais pas où je vais, mais. Voilà. Oh, attention. Oh merde! Oh la vache! Ah, elle est bien! Je peux plus là! Merde! Allez, c'est. Ah, c'est pas. Je peux avoir un coup de balayette, s'il vous plaît, chef? Là. Parce que dans le dos là. Voilà. Un petit peu derrière là, un petit peu de balayette là. Victor is every time a central of one big company. Victor make the soul. And we know Victor many years, and we go together. We have so happy together.
happy, first of all, because I have my friends near me. Thank you very much, our friends, people, to organize all this party for us, give us this great sense of happiness. C'est des clients qui apprécient la bonne nourriture, qui apprécient l'endroit, qui sont assez fidèles puisqu'ils reviennent depuis quelques années chez nous. Donc pour moi, c'est des bons clients et qui en plus dépensent beaucoup d'argent. Bonne année. Alors là, qu'est-ce que vous avez préparé comme menu? On a préparé plateau de fruits de mer. Après, ce sera de la langouste à la plancha, côte d'agneau à la cheminée, trou normand. On aura un grand plateau de fromage et le buffet de dessert que vous avez derrière. C'est un menu à combien, là, à peu près? Je sais pas, je peux pas vous dire. Здесь происходит маленький праздник, да, который мы справляем вдали от всех наших друзей. Да, и группу друзей, товарищей. Ничего особенного, просто в один прекрасный момент вдруг все решили собраться только на маленьком месте, но на очень большой высоте. Вот все, вся идея. Не более того. Ничего, на самом деле, как бы ничего крутого нет. Просто, видимо, мы проводим время так, как мы хотим. Да? Yeah, никому не пытаясь что-то доказать. Yes. Потому что в Куршевеле самая лучшая каталка. И этого нельзя отнять у этого места. Это факт. Многие приезжают сюда еще, чтобы себя показать. Это тоже очень немаловажный факт. Je suis en train de refaire la route parce que les navettes de différents hôtels de Courchevel ont des difficultés aujourd'hui à monter dans le restaurant parce qu'on a eu une chute de neige et donc il faut absolument que la route soit nickel parce que tous les véhicules sont pas équipés et il faut que le Cap Horn soit praticable pendant n'importe quel temps, donc tu vois, on a des neiges. Le client est roi et on peut jamais dire non. Jamais. C'était la saison ici, c'est 100 jours. Hein. Et c'est pas un jour de plus. Hein. Donc le client que tu rates, tu le reverras jamais. On y va. 7, on va rajouter. Kazakhstan. Ouais. Allez, bon appétit, ouais, à tout à l'heure. Merci. Oui, ça va, oui. À côté l'une de l'autre. C'est bon? D'accord. Oui. D'accord. Christelle, 3, non réservé. Donc, je vous accompagne. Pardon? Là, ici, c'est bon, t'as encore de la place? Allez, on y va. Bon appétit. Les gens qui ont fait la démarche de venir au Cap Horn quand il fait moins 10, qui viennent de Méribel, de Val Thorens et même de Courchevel, qui viennent ici, on n'a vraiment pas le droit d'y refuser. C'est impossible. Plus de place. Il y en a toujours. C'est impossible. 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 Merci. C'est le cahier des officiers. C'est les bûches qui sont sur la même place. Oui, ça sort. Ok, on y va. Sur qui c'est? C'est les habitués des Russes qui viennent tous les jours, qui sont adorés, qui reviennent depuis 4 jours, ils nous réservent, ils nous bloquent tout en haut. Combien de places? Une vingtaine à peu près. C'est toujours entre les gardes du corps et les VIP, c'est toujours à proximité. Donc ça, c'est le joyau de la cave. C'est
c'est le gars qui fait combien alors ? 11 800 euros. Et pourquoi elle est si chère là ? C'est déjà difficile d'avoir la chance d'en avoir. Et puis bon, bah après ça, il y a si peu de bouteilles, et puis c'est quand même quelque chose d'excellent. Il y en avait combien de bouteilles, vous, ici ? Une. Il y a eu 6101 bouteilles récoltées, et on a le 72e magnum de la récolte. Si. Faut pas décoiffer le client. Hein. Oui, c'est bon. Très bon. Qualité, qualité, bon. De qualité. Combien elle vaut cette veste là? Là, je l'ai fait pour monsieur 1000 euros. Voilà. It's a good price. Acceptable. Et les prix vont jusqu'à combien? Ça peut commencer à 500 euros sur des petits cuirs et on monte à 1000, 2000. Sur des grosses fourrures, j'en parle pas des prix. Voilà, ce sont des coupes que les Italiens ont élaborées avec les ordinateurs, ce qui marche très fort. Okay. That's nice. Ici, nous avons une boutique aussi Rolana, hein, où je peux vous faire éventuellement une petite retouche ici. Hein. La retouche sera gratuite. Hein? Ouais, faut que le cheval, c'est notre problème. C'est belle, hein. Disco. Nice. Et autrement, j'ai un modèle comme ceci, vous voyez, qui est très travaillé. Two suits in Grenoble, in the airplane. They forgot in the airplane. They forgot to take it out from my airplane, and now it stays in the airplane. Oh, so you have nothing? Yeah, I have no jacket. You need something for this night, yeah. Yeah. But we will go shopping now. So. C'est un endroit qui attire les gens, ça, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est un milieu, c'est Courchevel. 4-5 étoiles, vous avez les stars de Saint-Tropez, les stars de Courchevel, ce sont les mêmes. C'est la même qui est en train. Il a pris. Si, il a pris, c'est demain, il le paye demain, il est de côté. Attendez, c'est monsieur, ça, c'est un monsieur. C'est un monsieur, il va pas me dire que... Non, non. Vous savez qui c'est, ce monsieur? Oui, c'est un monsieur fortuné, bien sûr. Il a déjà une renommée. Bien sûr, ça se voit vite, ça se... J'ai 2-3 regards avec le personnel et tout ça, et on peut pas se manquer, on le sent, on le sait. Qu'est-ce que tu veux boire, Nicolas? Un petit blanc, moi. Un petit verre de blanc. Voilà. Non, c'est bon, là. Voilà. J'ai tout. Bon, à bientôt. À demain. À demain. Merci. Bon, allez, à notre saison. Voilà. Santé. Merci. Ça bougeait un peu hier? Ouais, ça bougeait à la grange, j'avais du monde hier. Ouais. Pas qu'il y avait pas un rachat. Ouais. C'est marrant, on va dire tout le contraire. C'est drôle, hein? Je pensais pas. Hein. Moi, j'ai des clients qui étaient chez toi, qui sont venus à la grange, ils m'ont dit c'est la misère, c'est le désert de l'oubli. 300 personnes. Je comprends pas. C'est menteur. Tu les as payés, non, pour... On est là. Pour les récupérer. Hein. Faut qu'on y arrive, quand même. Ouais. C'est un peu David contre Goliath, donc si on s'accroche aux branches. Côté, hein. On va s'accrocher aux branches. Oui, quand même une grosse structure. Donc, il faut quand même qu'on se batte avec nos armes. On va y arriver. On demande juste de travailler un petit peu. De vous laisser quelques clients. Voilà. Quelques clients, on est contents. Dès le 27, enfin, Small, il est en forme, là, à mon avis. Oui. Hier soir, j'ai vu qu'il était en pleine forme. Ouais. On a déjà changé de DJ, donc la pression augmente. La pression augmente d'un cran. Je vous ai attendu toute la nuit à la grange, vous n'êtes pas venu. Hein. Ça va, bien. Bon. Ce soir, il y a combien de clients pour l'instant? Au restaurant, il y a 4, 7, 7, 9. 9 clients? Ouais. Et il y a combien de places normalement? Une centaine. On travaille avec des clients qui sont durs à gérer parce qu'ils peuvent être là ce soir, ailleurs demain. Donc,
on est... c'est-à-dire au cave. Ah non, du tout. Ils iront jamais au cave. Ah, je te le dis. Même si ça te fait plaisir, je te le dis. Je m'inquiète pas de savoir ce qu'ils font. Moi, je m'inquiète de savoir ce qui se passe chez moi. En face, c'est en face, moi, je suis chez moi. Et j'ai pas à me poser la question de savoir s'ils ont 200 ou 300. L'important, c'est la qualité, c'est pas la quantité. On est mieux à faire de la qualité que de la quantité. Et ils sont très beaux gens avec vous. Ça va, tranquillement. Ça va. J'ai pas les échos encore. C'est... Non, mais t'es pas descendu. Non, je suis pas descendu. Non, je vais appeler tout à l'heure. Ça se passe bien. Bah écoute, on va faire la carte. Vous voulez commander? Ah, tu... Vous avez pas eu de carte? Bah non, Eric, enfin... Paul, va vite me chercher une carte, s'il te plaît. Ouais. S'il vous plaît. Allez, Paul, fonce me chercher une carte. Vous essayez? Vous attendez quelqu'un ou comment? Bah écoute, si tu veux te joindre à nous, c'est possible. Moi, je peux pas, je travaille, moi. Si tu veux, moi, j'ai un métier. D'accord. C'est la concurrence, là. Grosse, grosse concurrence. Ça vous gêne de dire ça ou pas? C'était bourré. C'était bourré à craquer. Bravo. Comme chez vous. Bien, bien, bien. Chez nous, hein. Les uns sur les autres. Des magnums dans tous les sens. Donc là, on part en croisade à Moselle, ouais. À Champagny et après l'Oignon. Jusqu'à Moutier-Albertville, voilà. On va tout en croisade. On va tout rafler pour ce soir. Hein, ça va être une tuerie. Voilà, la rue ce soir, il y a la gendarmerie. Eric, oui, ce soir, personne. Là, la concurrence est réunie ou quoi? La confrérie ou la concurrence? On ne sait pas. Hein. Les deux, mon général. Les deux, mon général. Non, mais ce soir, ça allez, va. Allez, les enfants, allez. Allez, on va faire le tour. Allez, laisse confiance, ce soir, ça va bouger, à mon avis. De quoi ce soir? Oui. Ça... Dans la rue Park City. Dans la rue Park City. On va y arriver, t'inquiète pas. Ils ont toujours été comme ça, tous les deux, si jamais eu. Eric est très taquin, il lui cassait ses jouets, il lui tapait sur la tête. Ouais, voilà, c'est vrai, merci. C'est mon frère qui est méchant avec moi. Moi, je suis gentil, je suis un gentil garçon. Comment il cassait vos jouets, alors? Comment il cassait tes jouets? Avec des boules de pétanque, comme ça. J'ai la voiture qui était là, et il achetait des boules de pétanque. J'étais tout petit, ça m'a trop massé. Drôle, hein. Heureusement qu'on n'est pas deux comme toi. Ça serait mal, hein. Ce qu'il faut, c'est me charger là, la poutre centrale. Les deux redescendent au fond. Il faut faire une couronne. Les latérales, comme ça, on les fera en dernier, voir ce qu'il nous reste. C'est beau, et puis ça sent bon. Ça va être magnifique. Et décorer toute la boîte avec des fleurs. Ouais, toute la boîte. On va éviter de faire dans le classique ballon. Guirlande à 2 francs. Est-ce que c'est pour faire la différence avec les cartes ou pas du tout? Maintenant, ça sera la surprise. Hein. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose d'incroyable, mais bon, ils n'ont pas les supports pour agrafer comme nous. Parce que nous, elle est en bois. Et le résultat sera... On est les seuls au monde à avoir cette bouteille. On a fait faire, c'est une commande spéciale. Et c'est ce que recherchent un peu les clients parfois? Bien, tout ce qui est exceptionnel, extraordinaire. Donc ça c'est nous. Ah, mais il y a de la place. Une bouteille spéciale. Ouais. Une bouteille spéciale pour un client et ami, on va dire. Superbe. Très rare. Il faut en avoir que deux, parce qu'elle est sertie d'argent.
partout autour. C'est vraiment spécial. Et le produit à l'intérieur ? Du champagne. On peut savoir combien ça coûte une bouteille comme ça ? À peu près 400 euros hors taxe. Mais chez le grossiste ? Tout à fait, c'est le grossiste. Et vous, vous la vendez combien ? Je peux pas vous le dire. Pourquoi ? Secret. Ça, c'est la table qui était annulée, donc c'est ça. Et voilà, qui a été récupérée. Bon, bravo. Donc on est, bien. Full de partout. On est full. Complet. Ouais. Le premier prix de table est à 1020 euros. Ce qui représente deux bouteilles, en fait. Deux bouteilles classiques au tarif de 510 euros la bouteille. La plus chère. À 20 et quelques mille euros la bouteille. Ça fait plus 11 bouteilles, ouais. D'accord. Combien de litres ? Ça fait 12 litres, 15 litres. C'est, Il peut y avoir plusieurs bouteilles sur la même table à 20 Déjà, il faut les boire avec 15 litres, hein. C'est pas mal. Il peut, mais une bouteille de 15 litres, plus ces petites bouteilles tout autour, ça fait déjà une belle table. Il faudra laver la piste, par contre. Laver les deux pistes. Tu prends une fille avec toi, tu fais. C'est quoi ce cordon, là ? Voilà, c'est le cordon pour tout carré VIP. Là, il y a... Il y a un vigile, enfin il y a un portier qui reste ici toute la soirée et puis qui ouvre le cordon, qui le ferme, qui l'ouvre pour laisser entrer les gens qui ont réservé tout ce carré. Uniquement. Voilà, uniquement. Vous avez des nouvelles du côté de la grange ? Bon, je pense pas qu'ils ont des tables comme on peut avoir ici, c'est impossible. Ah bon ? Pourquoi ? Non, ils auront des belles tables, mais... Mais là, tous les gros clients ils sont ici. C'est-à-dire ? Voilà, vous faites le tour, il n'y a pas une table avec moins de 6 bouteilles, des magnums partout. Je le souhaite de tout mon cœur qu'à la grange ça soit pareil. Ça serait fantastique, mais ça m'étonnerait. Faut tout faire. Les autres sont en train de faire la déco. Moi, je prends ma voiture, je vais chercher tout ce qui manque. C'est penser à tout. Le client, quand il arrive, ils se disent c'est carré, ça tient la route. Et... Parce que s'il sent qu'il y a un petit défaut, il risque de passer une mauvaise soirée, nous avec. Je peux pas leur commander, hein, le petit cheval, il arrive de Bordeaux. Il n'y a pas une bouteille de petit cheval qui est confiée, Olive. Bah bien sûr, moi, il est en confié. Oui, mais pas chez moi, il n'est pas en confié, c'est acheté. Ah bon ? Eh ben, je te le rendrai. Oui, bah c'est sûr que tu vas me le rendre. Hein ? Oula, mais qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui ? Dernier moment, là, voilà. De quoi, dernier moment ? Dernier moment, 3 heures avant le réveillon du 31. Non, c'est bon, voilà, on vient. Étant donné que la maison mère, elle est ici avec les vins, et ben ils viennent ici en... C'est un peu l'encre de miséricorde, le Caporne. Donc, ils viennent chercher les vins qui seraient susceptibles de vendre ce soir dans le restaurant. Voilà. Et ça a une tendance fâcheuse à m'ennuyer. Voilà, chacun pour tous et rien pour les autres. Qu'est-ce qu'il a mangé, le grand, midi ? T'en veux combien ? Margot 97, 4 bouteilles. Margot 97. Non, faut pas beaucoup, c'est pour me changer déjà, un peu. T'as déjà du stock de chacun de ces produits ? Ouais, j'ai du stock. La Lagune 99, par contre, si t'en as, ça marche. Franck 7401. 2467, c'est bon, il ne manque rien. Ça, c'est mes caisses. C'est Monsieur Frère en personne qui me les a vendues. Ah non, mais moi, ah oui, 97. Voilà. Eh ben, je l'aurai. Puisque je l'ai à la carte, moi. C'est avec le chevalier, le chasseur. Tu sais combien tu vas le payer ? On lui rendra. Quand sa crise existentielle sera passée, on lui rendra son pinard. Mais non, mais on est obligé. Nous, on n'a pas de volume à stocker en bas. Pas de réserve. Alors que là, regarde, il y en a partout du pinard. Ah, il y a une perle. Qu'est-ce que c'est ? Rare. Moi, je le dis pas, je le mets dans les poches. Oui. Voilà, on fait de l'eau ? Toi. Ouais, je te dis. Bon, je vais essayer, mais un chiffon propre en plus. Alors, tu me dis, je prends un huître. Alors, je cherche le... Ah, voilà, ça y est. Je jette ça. Celle-là, tu peux la manger. Bon, puisque j'ai pas réussi, j'ai cassé la coquille. Ben, tant pis, je la mange. Je prends une avance sur roue. Tu vas voir, je vais faire semblant. Elles sont bonnes, mais il y a les coquilles. Oh.
1800, c'est pas possible. Hein. Il peut pas y avoir des ateliers huîtres comme ça. C'est pas du tout le même style, ni la même ambiance. Là, c'est la convivialité. Ah, attention, celle-là, elle n'est pas conviviale, par contre. Hein. Ouais. Moi, je suis d'accord. Oh, 1800, c'est pas le client qui ouvre l'huître. Hein. C'est pas du tout les... Les grands hôtels ne pratiquent pas de cette façon. Hein. Ici, c'est associatif. Donc, on est associé à l'ouverture des huîtres. Voilà, là, c'est une partie de plaisir, maintenant. On a bien fait de venir. Hein. Plein de messages, chérie. Plein de bonnes années. Bonne santé, prospérité, amour. J'en ai plein, moi. Mais tu sais qu'à minuit, ça passera plus, hein. Pourquoi? C'est pour ça que les gens, ils le font tous maintenant. Parce que c'est quoi, bonne année, bonne santé? Ouais, bonne santé, prospérité, amour, famille. Et la santé, ça va? Aujourd'hui, un peu la crève, un peu la grippe. Chaud, froid, le ski. J'ai eu de la chance pendant 15 jours. J'ai pas trop de chance avant le réveillon. Un peu grippé, mais on fera avec. Les amis attendent, on va pas se mettre au lit. Chérie, tu préfères mes cheveux lâchés ou attachés? Je vais mettre, parce que je sais pas ce que je vais mettre encore. Si tu mets le truc rare, tu préfères le relever. Ouais. Si tu mets haut, tu préfères attacher. Voilà, il arrive le monsieur avec les nerfs. C'est très bien, Charles, mais là. Fais attention. Vous avez passé le Noël ensemble? Oui, on reste ici. Parce que Marie est trop petite. Elle va s'endormir. Pour aller... Là, c'est pour elle, c'est pas possible. L'année prochaine, peut-être que ça ira mieux. T'as bien resté à la maison, toi. Hein? Regarde, bébé, je mets ça. J'ai peur d'avoir froid. C'est joli quand même. Parce que des chaussures, c'est beau, ces chaussures oranges. Moi, j'aime bien. J'ai peur d'avoir froid. Non, mais la noire, alors. Mais alors, si tu mets la noire, tu vas peut-être relever un peu les cheveux. Je vais voir. Voilà. Je crois que vous allez tenir le coup ce soir. Je dois. Pourquoi? Ma femme. Non, c'est... Remarque, je serais seul, je serais dans mon lit. Hein. J'ai invité une table d'amis. Et puis on a... Puis c'est leur nouvelle année. Prendre le cachet, on verra, ça ira mieux après. Je te dis, je veux venir te voir. Regarde comment c'est. Je vais aller monter voir le miroir. Bien. Ah, c'est en noir, ben, c'est bien, on est en noir. Ça bouge. Je veux bien, hein, en noir. Qui rappelle ça? Charles, va là-bas deux secondes, s'il te plaît. Oh, regarde, t'as vu une tache. Va montrer à Ita. Ah bah oui, c'est con, hein. Bah oui. C'est quoi cette connerie? C'est quoi cette montre? C'est mon cadeau de Noël. Un cadeau d'amour. De mon petit homme. C'est un beau cadeau? C'est un magnifique cadeau. J'avais les larmes aux yeux quand il m'a offert ça. Elle est sertie de diamants. Il est généreux? Très généreux. Il fait des cadeaux pour rien. Qu'est-ce qu'il fait le mieux? Des cadeaux d'amour. C'est vrai. Comment? Il est très très généreux. Il est très très généreux avec tout le monde. Ça va bien? Bien. En fait, je bois que ça, du champagne ou du vin, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est moins calorique. Je prends pas les alcools forts. Faire attention à sa ligne. Et la bague là que vous avez Mais... la main, c'est aussi un cadeau de oui, votre c'est compagnon. Cadeau. Un cadeau de cet été. Pour rien, parce que j'étais gentille. Il est comme ça, imprévisible et généreux. Elle a mis une plus grosse bague comme moi, je sais pas si on a pêché. Plus grosse que la vôtre? Oui, ça va pas quoi. Mais la mienne est plus chère. Au revoir, tout à l'heure. Là, c'est pour faire le service? Non, je te parle à moi. Oui, bien sûr. Chérie? Zone interdite. Le petit, hein? Il est pas mollo, là, hein? Il est doux, lui, le petit. Il est gentil, là, hein? Il va sentir mieux et on va rester un peu plus longtemps. Je pourrais un peu plus danser. Vous pensez que c'est trop? Oui, beaucoup trop. Mon homme, c'est un homme de la nuit, un petit peu, hein. Il a vécu tellement de choses la nuit. Là, il s'est calmé vachement, vachement, vachement. Mais il a bien la nuit, toujours. Mais oui, il y a des hommes à 50 ans, ils sont déjà pantouflards et à cette heure-ci, limite, ils dorment. Pas tous, mais bon, sinon, à minuit, au grand maximum, ils rentrent. C'est rare, hein, les hommes de cet âge-là qui sortent, qui font la fête.
C'est du petit whisky. Un petit whisky. C'est médicament un médicament obligatoire pour. C'est le meilleur des médicaments. J'ai déjà l'air moins malade, habillé plus soiré comme ça. J'ai l'air. Ça va. J'ai tout fait mieux. C'est beau. Bon, allez. Mais les filles lui sautent dessus. Aussi nombreux à cette soirée du réveillon, hein, avec un petit peu d'avance, toute l'équipe du Renouveau, ben, vous souhaitons une bonne année à tous. Allez, c'est la mienne, hop. Ah ouais, puis elle est bonne, hein. C'est vraiment avec un petit bout de pain. C'est Gérard qui te l'a piqué. C'est vite que vous avez ouvert. Ah oui, j'en suis certain, oui, oui. Ah oui, je l'avais repéré, celle-là. Il y a plein de coquilles, c'est pour ça. La langouste à gogo, le caviar à la louche. De toute façon, ça doit être sans limite, je pense. Hein. Mais restons sur terre, restons à 1550, chez Renouveau. C'est assuré, c'est garanti. La fête sera bien et le repas aussi. On est là pour faire son petit bonhomme de chemin et pour peut-être demain devenir une institution de Courchevel. Et pour ça, il faudra du temps. Small est là pour de nombreuses années. Il est né ici comme moi. Et je pense que bon, bah, rendez-vous dans 5 ans pour voir exactement où en sont les choses. Chérie, viens, viens. Chérie, Nina, Nina. Tu croyais plus que t'étais fatiguée? Non, plus du tout, plus fatiguée du tout. Il va danser avec moi et je vais finir jusqu'à la fin de la nuit et ce sera le dernier sorti de boîte. J'aimerais bien rester Lina toute ma vie. Oh, il est mignon. On est number one, on l'était l'année dernière et puis on le sera encore cette année. Il faut un numéro un, il faut un numéro deux et numéro un c'est les câbles. Approcher sans abîmer la voiture du voisin. Bon. On va essayer de caser les chaussures derrière parce que là, vraiment, je sais pas, on est maladroit. D'habitude, il y a deux paires qui vont là-haut. Je comprends pas ce coup-ci. Alors, un peu plus fort, alors. Alors, encore un peu plus fort. Et ben voilà. Ça a été des bonnes vacances. Ouais, on a passé de super vacances et voilà. Maintenant... Et puis, bon, vivement les prochaines. Hein. Vivement les prochaines. Il faudrait qu'on gagne à la loterie. Bah, tu vas aller travailler. Allez, en voiture.